Salut, c'est Chris et je vous souhaite la bienvenue sur NutriFit. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de cheesecake hyper protéinée, faible en calories, idéale pour les 4 heures ou alors le dessert. C'est parti. 330 g de crème fraîche allégée, 330 g de yaourt allégé, 0%, 2 œufs, 2 dosettes de protéines et 2 cuillères à soupe d'extrait de stevia. Ensuite, il suffit de prendre le mixeur et de tout mélanger. Obtenez un mélange liquide assez épais. Donc ensuite, vous prenez un plat carré, pas trop petit, pas trop grand, et vous mettez un papier sulfurisé dedans. Et vous ajoutez le contenu dedans. Préchauffez votre four à 165 degrés. Donc ensuite, on met au four pendant une demi-heure. Donc là, on a fini une demi-heure. On va le remettre pour 50 minutes pour entre 90 et 95 degrés. Donc une fois que c'est terminé, vous mettez au frigo au moins 2-3 heures. Donc voilà, si vous divisez en 4 le cheesecake, vous rajoutez une cuillère à soupe à peu près de fromage blanc 0% et quelques fraises, vous aurez environ 200 calories pour une part. Donc c'est quand même pas mal. Que vous avez 200 calories à peine pour 19 à 20 grammes de protéines avec peu de gras et très peu de glucides aussi. Donc je vais essayer et vous verrez à ma tête si c'est bon ou pas. Faites une erreur de ne pas essayer. Donc si vous avez aimé cette recette, vous pouvez placer un petit like sous la vidéo. Et puis je vous invite à télécharger mes recettes sur le site nutrifit.fr. Il y a plein de recettes qui arrivent, aussi bonnes que celle-là. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Salut !